Bonsoir à tous. J'arrive pas à dormir de toute façon, donc je vais préciser ce qui me fait douter de la version d'Étienne sur cette affaire de triche présumée, bien triste. Quelques petits commentaires liminaires. Bon, déjà, je suis pas directement concerné, donc je vois pas très bien pourquoi je m'embête, puisque j'ai pas été une des victimes présumées de ce qu'on le reproche. Je m'en fiche un peu, fondamentalement, dans le sens que je suis déjà assez amer sur la conséquence que ça va avoir sur nos petites compétitions. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui va en rester, probablement des séquelles. Dernier point, j'ai absolument aucune animosité personnelle contre Étienne, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui m'avait toujours semblé à la fois drôle et sympathique sur le forum, donc c'est pas du tout un jugement personnel. Néanmoins, bon, j'ai relayé le ban de Lichess, qui est donc fondé sur leur algorithme anti-triche, et j'ai indiqué dans mon post sur les cahiers que j'avais tendance à croire le bien fondé de cette accusation, et donc ça me revient quand même d'expliquer pourquoi et de détailler les raisons qui font que j'en suis malheureusement très convaincu, même si je préférerais ne pas l'être. Donc, pour essayer de vous rendre compte de mon raisonnement, c'est j'ai juste repris les parties classiques que Étienne joue depuis. Qui joue sur l'e-chess les tournois des cahiers. Mon point principal, c'est qu'il y a une différence beaucoup, beaucoup trop grande et inexplicable entre son niveau initial, quand il commence à jouer parmi nous, et le niveau qu'il a atteint ces dernières parties. On peut évidemment progresser, on peut travailler, on peut être plus concentré, on peut mieux jouer. Heureusement, sinon ça n'aurait pas grand sens. Mais il y a des limites, surtout qu'on ne parle pas d'enfant de 12 ans sur une période de 2 ans, mais d'un adulte de plus de 45 ans sur une période de 4 mois. Donc ce qui va me frapper, moi ce qui me frappe, avant de rentrer peut-être plus dans le détail des parties, c'est une tendance générale. J'ai vraiment l'impression d'une rupture au moment de la partie contre Gilou. On va regarder rapidement un peu à quoi ressemblent les premières parties qu'Étienne joue. Par exemple, sa première partie, c'est contre Balthazar. Balthazar, dont on sait que c'est un bon joueur. On peut estimer, moi, si vous voulez, j'ai tendance, si on doit transcrire les choses en termes de classement Elo, à considérer qu'il y a un petit groupe de joueurs dans nos tournois dont on sait qu'ils sont au-dessus de 2000, vers les 2100, et un groupe de joueurs qui comprend Balthazar, Kohler, Kush, Ménélas, enfin Pipige, etc., qui ont montré qu'ils n'étaient pas très loin. Pas très loin aux échecs, ça veut dire probablement 200 ou 300 points en dessous, c'est-à-dire autour de 1800, 1900. Donc le premier adversaire qu'on connaît de Étienne, c'est Balthazar, et qui gagne une partie très très rapide, hein, puisque c'est un mat au 17e coup au milieu d'échiquier, avec du côté des noirs, donc d'Étienne, des coups qui témoignent d'un niveau de jeu sensiblement plus faible que celui de Balthazar. Hein, donc ce F6 dans l'ouverture est vraiment très mauvais. Ensuite ça continue. Alors il laisse son roi au centre. Je ne rentre pas dans les détails de la partie, c'est pas l'objet, mais en tout cas, il se retrouve avec une aile roi pas du tout développée et un coup, un G5, voilà, se mettre, partir à l'assaut comme ça, alors qu'on n'a absolument rien fait pour se développer, c'est s'exposer à se faire punir, et Balthazar punit, avec un cavalier prend G5, suivi d'un mat au milieu de l'échiquier, qui est quand même violent. Donc, si vous voulez, moi je prends ça un peu comme le point de départ, le point de référence. Ça ne veut pas dire que Étienne ne sait pas jouer. Hein. Manifestement, c'est quelqu'un qui a des bases aux échecs. Mais c'est quelqu'un qui, sur cette partie-là, ne peut pas ressembler à quelqu'un qui a plus de 1400 ou 1500 Elo, quoi. Vraiment, ça semble difficile à
de l'évaluer autrement. Et un point, donc dans le profil ensuite et les pertes en centipion de notre partie, sans vouloir trop accorder d'importance à l'outil informatique, mais enfin quand même, on voit bien que là c'est une partie qui a été un peu mouvementée, dans le sens que Balthazar a pris l'avantage, l'a un peu perdu, et puis l'a repris, et avec un nombre de pertes en centipion qui est quand même assez élevé. Et ce premier tournoi, il continue un peu toujours pareil, sans rentrer dans les détails. On voit que c'est des parties où il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, c'est la partie contre Chris. Vous voyez ce profil-là. Et Chris prend l'avantage, le repère. À un moment, Étienne là rate la combinaison qui lui aurait permis de le. Là, en l'occurrence, c'est une histoire de cavalier prend E5. Qu'il ne voit pas. Bon, alors c'est. On peut pas dire que ce soit par manque de temps, parce qu'il a 17 minutes, mais en tout cas, bon, c'est une combinaison, on peut la rater, hein. On rate tous des combinaisons, ça c'est pas la question. Sauf que voilà, on est sur des parties qui ressemblent à ça, qui ressemblent à une combinaison relativement simple ratée, sans voir que le pion était cloué, et qui permet à Chris de reprendre l'avantage et de gagner. Ensuite, une partie contre deux Vikings, qui est donc. Bon joueur, mais pas non plus un joueur des premières poules. Là aussi, c'est une partie accidentée, on va dire, avec Étienne qui prend l'avantage dans le début de la partie, qui a la possibilité, enfin voilà, il a un avantage qui perd, et puis il gaffe ici, dans une position égale, une gaffe qui est vraiment. Grosse gaffe quoi, c'est-à-dire de pas voir que le fou prend F2 qu'il va jouer donne lieu à un cavalier prend F2 où non seulement le fou se fait capturer mais le cavalier blanc qui était attaqué se soustrait à la menace du pion. Encore, on n'est pas dans de la combinaison sophistiquée, on est dans de la gaffe en un coup. Alors ok, jouer trop vite, il y a des choses, tout peut s'expliquer hein, bien sûr, mais ça situe, donc pour l'instant, trois premières parties, trois défaites. Contre des adversaires bons ou moyens et avec on va dire une sûreté tactique qui est quand même pas très très élevée. Si on continue contre Kirek, qui est la première victoire d'Étienne, on voit aussi un profil de partie très accidenté, avec une prise d'avantage, un avantage qu'on perd, un avantage qu'on reprend, et un peu des montagnes russes jusqu'à une victoire finale. Et là aussi, on est sur des pertes moyennes en centipion qui sont plus proches de la centaine que de zéro. Ok. Ça, c'est assez cohérent, si vous voulez. Ça montre un joueur qui a un niveau, qui, bon an, mal an, gagne, il perd. La partie suivante, il joue contre Colère-t-il, donc qui est un joueur sensiblement plus fort que lui, plutôt hein, du calibre de Balthazar. Bon, là, c'est une partie qui, pour le coup, est pas très accidentée, mais où Étienne fait une erreur très importante en jouant. En jouant fou C4, c'est-à-dire fou C4, c'est juste une pièce en fait donnée. C'est un cavalier prend C4 raté. Donc là aussi, on n'est pas dans de la combinaison sophistiquée. On est dans de la perte de pièces en un coup parce qu'on a mis le fou sur une case contrôlée par le cavalier. Et à la suite de ça, Colère finit le boulot. Bon, comme il y en a évidemment la force pour le faire, la partie n'est plus très mouvementée. Ensuite c'est contre moi, donc bon, je ne veux pas trop parler de cette partie, mais qui est tout à fait, si vous voulez, cohérente dans le sens que longtemps elle est équilibrée. Hein, c'est ce qui, moi, c'est une partie sur laquelle j'ai absolument aucune suspicion. C'est une partie où pendant une quinzaine de coups, Étienne joue bien. C'est-à-dire qu'il a une position très normale, il a développé ses pièces. Bon, sa dame en D2, bizarroïde, on n'est pas forcément sûr de la pertinence de son plan d'avancer d'espace à l'aile dame. Enfin, c'est une partie relativement normale qui encore une fois témoigne qu'on n'a pas affaire à un débutant. Hein. J'ai jamais prétendu que c'était un joueur qui ne savait connaissait rien des échecs. Mais bon, voilà, il gâche sa partie avec ce coup dame F4 qui est
qui est mauvais, qui se laisse doubler les pions et qui va perdre du matériel sur cavalier G6 où vous n'avez plus moyen de défendre votre pion D4. Et la suite de la partie se passe de commentaires, ça finit rapidement par un mat du couloir quelques coups plus tard. Donc là aussi, une gaffe tactique quand même assez grosse. Et ça, c'était, on arrive à la fin de la première saison, quand on jouait encore des poules, enfin deux poules et qu'il y avait eu demi-finale, finale. Et ensuite commence la deuxième saison. Et le début de la deuxième saison, donc Étienne est dans une poule où il y a Gazier, donc Gilou. Et c'est une partie qui me semble encore tout à fait normale, gagnée par Étienne. Une partie où il se fait pas mal secoué, c'est-à-dire que Gilou a un avantage assez important, va choisir de sacrifier en H6 et se trompe, alors que ça reste une position plutôt favorable, enfin en tout cas jouable quoi. Il a une compensation pour le matériel sacrifié. Bon, ensuite il se trompe et Étienne reprend l'avantage, le repère, c'est égal, ça continue à faire un peu les montagnes russes et il gagne la partie à la fin. Et c'est là que moi je mets une césure, et une césure que je m'explique pas, et c'est pour ça que j'ai tendance à croire l'accusation formulée par l'algorithme de Lichess. Parce que ensuite ça change assez radicalement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va voir les profils des parties. Étienne n'est plus jamais moins bien, à part les premiers coups d'ouverture. Donc là, c'est une partie contre Classico. Donc, bon joueur, mais quand même dans la catégorie sensiblement en dessous des joueurs comme Balthazar, Kohler, etc. Étienne ne fait plus qu'une seule imprécision. Il prend un petit avantage qu'il cultive et il gagne à la fin. Bon. Ok, ça peut arriver, super, belle partie, très bien. Pas de quoi non plus commencer à se stresser. C'est plus l'accumulation hein, qui va m'amener à la conclusion un peu triste que je tire. Ensuite, pareil, il rencontre l'aposta, et là aussi, c'est une partie où il y a là pour le coup un triple zéro. Donc, c'est quand même un changement radical hein, par rapport à ce qu'on voyait jusque-là. On était plus sûr de la perte de matériel en un coup. Le profil de la partie est complètement linéaire, avec une prise d'avantage et une conclusion. Ok, très bien. Ensuite, il joue contre de nouveau Gazier, donc le début des matchs retour. Là aussi, une perte moyenne en centipion extrêmement réduite. On n'est plus qu'à 11 centipions perdus. Et un profil de partie qui est toujours le même, avec une prise d'avantage qui mène à une victoire complètement linéaire. La seule exception de toute la série, c'est un petit peu cette partie-là, la deuxième partie contre Classico, où là, il y a aussi quand même un peu, il y a moins de linéarité. Ça reste un avantage pris par Étienne assez précocement. Et dans la conversion, il y a même un moment où, visiblement, je vais pas regarder le détail de la partie, mais enfin, il y a un coup qui menace Matt, mais qui aurait pu s'exposer à une défense si Classico avait joué H3. Donc ça, je reconnais tout à fait honnêtement que cette partie-là n'est pas très convaincante, mais c'est la seule. C'est la seule de toute cette série qui continue où on n'a pas exactement le même profil. Donc là, il joue contre de nouveau l'aposta et de nouveau une partie, un triple zéro avec une linéarité parfaite du profil de la partie. Ça doit être la fin de la saison. C'est la fin de la saison, donc on recommence avec la coupe. Donc la coupe, il joue contre Marco Van Pasteck, pareil, triple zéro, linéarité parfaite. Ça veut dire que concrètement, c'est un joueur qui ne fait plus aucune erreur tactique. Ni simple comme il en faisait avant, ni compliquée. On est sur des copies parfaitement propres et des parties parfaitement linéaires. Deuxième tour de coupe contre Néo, ça doit être la casette du Socrier. Pareil. Quelques petites imprécisions, mais la linéarité de la partie ne change plus. Et c'est important parce que ça veut dire que les imprécisions, en fait, elles arrivent tard.
C'est un point sur lequel on va revenir plus tard. Hein. Les seules imprécisions qu'on commence à voir, c'est un peu en toute fin de conversion. Si vous voulez, elles arrivent quand on est déjà à moins 2, donc on a déjà pris un avantage qui est substantiel, et elles ne changent pas grand-chose au cours de la partie, qui reste vraiment très linéaire vers un succès assez direct. Première partie de poule de la deuxième. De la deuxième saison, enfin de la troisième saison, contre Red Tatou, qui est un joueur d'un tout autre calibre que les précédents, enfin c'est un assez bon joueur. Là aussi, on reste sur le même profil de partie. Cette partie, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails des coups, mais c'est une partie qui reste complètement linéaire, où les blancs sont un peu mieux dès le début et entretiennent leur avantage et finissent. Alors c'est une partie qui est particulièrement impressionnante ou louche selon la perspective qu'on adopte à cause de ce coup 13 D5. Donc là, B5 vient d'être joué par les noirs, qui est un coup qui attaque le fou. Je mets ma main à couper que tous, quel que soit notre niveau, nous aurions opté pour un repli du fou. Alors certains l'auraient remis en A2, certains l'auraient mis en F1. Enfin, c'est jouer le coup D5, franchement. Et qui s'avère être bon, parce que ça n'a rien d'évident, moi c'est un coup qui m'a laissé très admiratif quand je l'ai vu, et qu'à l'époque, quand j'avais vu la partie, j'avais absolument aucune suspicion. Mais quand je le revois maintenant, si vous voulez cumuler avec tout le reste, c'est pas très naturel de donner ce fou contre le cavalier, de se laisser mettre un pion qui va arriver en C6 ici, et c'est le seul coup en fait qui garde un avantage aussi élevé. Si vous testez donc avec la machine un repli par exemple, vous gardez l'avantage, mais ça n'a rien à voir. Vous passez de plus 1,6 à plus 0,03 ou etc. Et pareil sur un autre repli, je sais pas, attendez, faut pas que je me trompe. Un repli du fou qui irait ici par exemple, l'avantage diminue. Donc, si vous voulez, on est à la fois dans une série de parties qui sont quasi parfaites, où il n'y a plus du tout d'erreurs et de faiblesses tactiques comme il pouvait y avoir avant, et où en plus il y a des coups vraiment brillants, quoi. Continuons un peu. De nouveau classico en poule. De nouveau une partie à triple zéro avec une linéarité dans la progression parfaite. Et là, on arrive à un adversaire encore plus fort, c'est un adversaire de poule 1, Marco Ferratic. Et c'est pareil, c'est-à-dire que à une nuance près sur laquelle on va revenir, prise d'avantage, avantage conservé, victoire à la fin. La seule, avec deux éléments sur cette partie-là, déjà ce coup E5 dans le Benko, alors soit vous êtes très très bien préparé, effectivement c'est un très bon coup. C'est pas un coup naturel, c'est-à-dire que vous êtes à un degré de préparation là qui commence à devenir sérieux et qui est tout à fait possible, même à nos niveaux, mais qui est en décalage avec ce que Étienne montrait jusque-là. Hein. Encore une fois, c'est pas tellement dans l'absolu de dire que rien de ce qu'il a joué n'est humain, c'est que à la fois c'est l'accumulation de tout ce qu'il a joué et la comparaison par rapport à comment il jouait 2 mois avant. C'est vrai qu'un des coups de reprise en C4 sont quand même beaucoup plus naturels et cette ligne est ultra compliquée en plus. Hein. Genre le E5, vous allez avoir votre cavalier en l'air. Après les fous G7 et il n'y touche plus, il le laisse comme ça, il continue à se développer. Bon, bref. Et la seule gaffe de la partie, c'est dans une position où les blancs ont acquis un avantage déjà important. Donc on est dans cette position-là, donc il y a déjà un assez gros avantage blanc qui aurait pu être magnifié et porter un coup fatal avec un cavalier prend F7. Donc évidemment, si on est dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de triche, on peut juste dire qu'il a raté ce coup et que tout le reste, il a extrêmement bien joué avec plein de coups très forts. Okay.
L'autre option moins optimiste, c'est de dire que c'est un coup un peu trop spectaculaire quand même. Cavalier prend F7 et se rendre compte qu'il y a une deuxième ligne d'ordi sur cavalier prend D7 qui permet de garder un avantage substantiel et peut-être un peu plus raisonnable pour ne pas trop attirer les soupçons sur une performance de très haut niveau. Et enfin, la dernière partie, bon, vous la connaissez, hein, c'est quand même celle qui a, je pense, le plus fait basculer dans l'étonnement, forme d'admiration et un peu de suspicion aussi, c'est la victoire contre Pavlo, qui est là lors d'un calibre qui est encore pas grand-chose à voir avec les adversaires du type Balthazar ou Markov avant. Hein. C'est un joueur, tout le monde en conviendra, qui est sensiblement plus fort, très bien préparé. Vraiment, en plus, très très bon dès qu'il manque du temps, donc il y a une grande sûreté tactique. Ben, là, ça change rien en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, contrairement à ce qui se passe généralement où l'opposition a une influence sur la gueule de vos parties, ben là, ça change rien. C'est-à-dire que, il prend l'avantage et il n'y a absolument aucune faiblesse. Il y a une linéarité aussi parfaite jusqu'à la conclusion. Ok, le dernier élément que je mets sur la table, et ensuite je parlerai plus de cette histoire qui me déprime plus qu'autre chose, c'est quel est le niveau de jeu de Étienne dans les parties en cadence rapide qu'il joue en ce moment, enfin c'est-à-dire depuis peu, quoi, pas il y a 3 semaines ou 4 semaines, au moment où il faisait des grosses gaffes contre Balthazar, non, ces derniers jours, c'est-à-dire juste après avoir aussi proprement dominé Pavlovitch. J'ai pris juste les 3 dernières. Donc là, c'est une défaite. Donc, vous voyez qu'il lui arrive encore de perdre aux échecs. Hein. Une défaite contre quelqu'un, donc Sarkhan Karim. Où ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voyait quand il jouait contre Balthazar il y a 3 mois. Hein. C'est-à-dire que. Non, je dis une bêtise, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire noire. Donc c'est une partie qui gagne, mais qui ressemble beaucoup plus à des parties d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une grosse prise d'avantage blanc. Au 12e coup, les blancs sont à plus 4. Ça redescend, ça remonte, ça redégringole. C'est en dents de scie, quoi. Il n'y a pas de linéarité. En termes de senti pion, on est à du 6 imprécisions, 2 erreurs, 3 gaffes du côté d'Étienne pour une perte moyenne de 70. Ce qui là aussi ressemble beaucoup plus aux parties qu'il pouvait jouer il y a plus longtemps. Alors qu'on est sur une cadence en 10 minutes, hein, on n'est pas sur du blitz. Alors ok, on est moins concentré que quand on joue une partie. De nos petits tournois, je veux bien. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir une différence de niveau. On a tous pu l'expérimenter, mais enfin là, elle est quand même élevée. Si on va à une autre partie de très récente d'Étienne, hein, jouée il y a 2 jours, là il perd, donc il perd. Là aussi, bah, c'est un profil de partie qui a l'air un peu normal, quoi. Il y a un gars qui prend un avantage, qui fait une connerie, qui le repère, qui le reprend, et puis qui le repère, et à la fin, Étienne perd la partie. Et pour regarder à quoi ressemblent les gaffes, on est quand même. Si on regarde un petit peu la partie. Voilà, là on est sur une gaffe noire où il oublie son cavalier C6 et Étienne ne le prend pas. C'est-à-dire qu'Étienne échange les dames et prend pas le cavalier qui était resté absolument sans défense, sans voir que le cavalier reprend la dame et donc que vous le gagnez pas. Donc on est de nouveau plus sur du motif tactique subtil, hein. On est quand même sur des gaffes assez importantes. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais là aussi, il y a des coups qui sont vraiment mauvais, quoi. Enfin, là, vous êtes dans une situation avantageuse, vous allez jouer cavalier D7 sans voir que vous perdez votre fou en B2. C'est quand même
C'est quand même des tactiques un peu de base, alors que depuis 10 parties en classique, il n'y a plus jamais une seule erreur. Moi, ça, j'ai du mal à y croire, tout simplement. Et la dernière partie, c'est pareil. Hein. Regardez le profil. Donc ça, c'est une dernière partie rapide jouée par Étienne sur en cadence 10 plus 5. Donc c'est pas non plus du boulette. Hein. Il y a quand même le temps de réfléchir un petit peu. On est sur des niveaux de gaffe qui sont quand même vachement, vachement élevés. Et d'ailleurs, bon, enfin, ça va dans tous les sens. Et ça correspond au même type de profil de partie que ceux qu'on pouvait voir au début, quoi. Quand il y avait encore des erreurs et des. Voilà, un peu comme la partie contre Kireg où c'est les montagnes russes, ça montait, ça descend, qui sont les profils de partie auxquels on peut s'attendre, soit d'adversaires qui sont à un niveau pas très élevé, soit même d'un bon niveau, mais qui sont du même niveau. Hein. Moi je pense que j'ai une partie contre Labelle qui a exactement ce type de profil-là, où ça monte et ça descend dans tous les sens, parce que on a fait chacun connerie sur connerie. Et c'est normal, même à 2000-2100, on est loin d'être des joueurs d'échecs réellement forts ou réellement bons, et on fait tous plein de conneries. Et même quand on regarde le profil des parties de Pavlo, par exemple, il y en a certaines qui sont linéaires, où il prend l'avantage et il matraque ensuite, mais il y en a aussi beaucoup où il est un peu moins bien, voire moins bien, il y a un peu des hauts et des bas. Donc ça, c'est ça qui semble normal. Donc moi, ma conclusion, hein, c'est que en complément de la raison principale qui est l'accusation, enfin le ban édicté par l'algorithme anti-triche de l'ICHESS, hein, qui est quand même mon seul point de référence, on va dire un peu objectif et qui n'est pas du ressenti, même si on pense qu'on veut de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a quand même cette succession de parties à partir. Si vous voulez, c'est la différence entre cette première série jusqu'à la partie contre Gilou, où on me semble être tout à fait dans du normal, et ensuite, ça ne l'est plus, quoi. Quand on fait le profil des parties, c'est d'une linéarité et d'une absence d'erreur telle que je ne peux pas croire que ce soit le même joueur. Les échecs, c'est un jeu qui sont à hiérarchie stable et à progression lente. Et on le voit bien, hein, chez tous, il n'y a personne, il y a des gens qui s'améliorent, il y a des gens qui progressent, c'est super. Mais une progression comme ça, qui fait que vous passez d'un niveau qu'on peut estimer au début autour de peut-être 1400-1500 Elo, de par le type de coup que vous jouez, les fautes que vous faites et les adversaires conquis, vous perdez. Vous arrivez 3 mois après à un niveau où vous ne faites plus d'erreurs, vous avez gagné que des parties linéaires, y compris contre des mecs dont on sait pertinemment qu'ils jouent à 2100 Elo. Ça veut dire que vous êtes à un niveau maître international, quasiment. C'est pour ça que je disais stratosphérique. C'est-à-dire que la constance dans la performance et la qualité de la performance fait que vous êtes sensiblement au-dessus de tous les autres participants du tournoi, donc Pavlo inclus, moi inclus, Labelle inclus, et j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire. J'en suis très triste, franchement, parce que je pense que malheureusement, le verre est un peu dans le fruit quand on arrive à ce type de suspicion et de discussion pour ce qui aurait dû rester juste des compétitions amicales sympas comme c'était depuis le début. Voilà. C'était ce que j'avais à en dire. Vous déciderez ce que vous voulez sur la suite des événements. J'ai vu que la tendance actuelle était plutôt à un maintien d'Étienne dans les compétitions. Moi, j'ai même pas vraiment d'avis en fait. La seule question que je me poserai me concernera moi plus que le reste du champ et plus que Étienne en lui-même, à qui je n'ai rien de particulier à dire. Voilà, je m'arrête là. Bonne nuit et puis à une prochaine.